Alors, je me trouve maintenant à l'extérieur du palais de justice, l'ancien palais de justice de Grasse. Donc, nous avons bien l'entrée des temples, où agencé pareil. Or, hélas, nous allons avancer un peu plus. Donc, c'était le palais de justice et nous avions la prison juste à côté. Mais avant que ce soit le palais de justice, c'était vraiment une belle maison très ancienne. Et là, par contre, maison d'arrêt. Alors, regardez. Alors, super les activités, événements, les rares. Alors, voici donc la maison d'arrêt. Vous avez une partie, après on va passer de l'autre côté. Alors voilà, et puis là-bas au fond, vous avez bon, un bâtiment moderne entre. Mais là-bas au fond, nous avons encore un vieux bâtiment. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je voudrais aller de l'autre côté. Comme vous voyez le vieux bâtiment là au fond. Alors, je crois pas qu'il y ait de date. En manque de peau aujourd'hui, nous n'avons pas une superbe journée ensoleillée. Alors, nous continuons à avancer dans l'autre sens. Alors, je ne vais pas pouvoir rester longtemps car il pleut de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors, il y a des voitures. C'est voir la belle vue que nous avons d'ici quand même. Car ceci faisait partie des remparts de Grasse, les anciens remparts. Alors, le centre historique est là. Alors, la rue de Napoléon fait partie de là en bas aussi. Donc, nous allons continuer à avancer. Et je vais arrêter la vidéo car il pleut de plus en plus fort, hélas. Alors, j'espère que ça vous aura plu et de voir tout ce qu'il y a ici. Alors, nous avons encore de vieilles bâtisses. Juste là en face. Alors, on voit qu'il reste quelques moulures d'époque. Hop là, désolé, j'ai failli me tomber. Donc, l'ancienne rue des palais de justice. Avec l'emblème. Et ici, la montée qui va derrière la prison. Alors là aussi, nous avons de vieilles bâtisses. C'est qu'il y avait les écuries, l'église, qui a l'autre entrée à la rue de Napoléon. Alors, alors voici les petites avenues qui sont magnifiques. Donc l'entrée ici est à l'Institut Fénelon. Là donc, ça c'est les anciennes parties qui protégeaient quand même Grasse. Et on va aller voir la fontaine qu'il y a.
je vous reprends plus loin. Bon, attendez, je vous montre quand même le beau paysage que nous avons. Alors, je marche en arrière. Alors les remparts qui montent jusque là en haut, la fontaine, et on va continuer à descendre. Au revoir. Alors tout ça, c'est le côté ancien de Grasse quand même. Ici, il y avait des escaliers qu'on a rebouchés. Alors nous allons tomber maintenant au jeu de ballon à côté du théâtre. Alors il y aura plus de voitures. Donc, nous sommes sortis par là. Alors nous avons juste le théâtre là. Alors voici le théâtre de Grasse. Alors, les façades superbes. Et là, s'il pleut, donc c'est un peu embêtant. Faut que je puisse. Alors là derrière aussi il y avait un autre théâtre, hein, à travers du théâtre. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de plaque qui explique un peu l'histoire. Traverse du théâtre. Et là nous retournons vers le centre historique de Grasse, une ruelle à côté de la place Auxerre. Donc là je suis à l'abri. Mais il pleut fort. En rue des Russes Bustin. Alors, ça faisait aussi partie du coup des édifices religieux au XVIe siècle ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, nous allons continuer par là et nous allons tomber. Alors là, nous sommes derrière le palais des congrès des parfums. On voit la façade de dos. Alors, comme vous voyez, cette partie-là, je pense, qui est du XVIIe siècle. Oh, beaucoup plus vieux même. Là, je vous dis, c'est dommage, il n'y a pas de plaque ni rien qui puisse m'indiquer un peu plus d'informations sur ma belle ville.
Non, voici notre partie de grâce qui nous ramène vers la place aux airs. Qui se trouve vers là en haut. Alors aujourd'hui qu'il peut, il n'y a pas grand monde en ville. Bon, je vous embrasse et à bientôt pour la suite. Belle journée ou belle soirée, ça dépend où vous êtes.